Bien, bonjour à toutes et à tous, c'est le fermier de Schnurr, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui on se retrouve donc pour une nouvelle vidéo, donc l'épisode 3 de la série Les 3 cutéreux. Alors, donc la dernière fois, donc ça a été laissé sur le chargement de bot, qu'on va d'ailleurs essayer de décharger tranquillement. Les sangles doivent apparaître dessus, je pense qu'elles sont passées en transparence, voilà. On va ranger ça et ensuite on va partir donc faucher. Je pense qu'on va essayer de faucher, d'en donner, enfin faner, etc. Comme ça on sera, on pourra refaire des ballots. Normalement donc Tico va venir déposer l'endener, enfin son endener et sa faneuse. Là, comme vous avez pu le voir, on a 34 000 en fait. J'ai acheté la prairie 135, comme ça on aura un 12, ouais, on aura un bon 2 hectares de prairie à faucher. Puis au moins, on aura de quoi faire un peu de balle de foin. Je pense dans le grand champ, faire un petit peu de balle de foin. Et dans l'autre, faire de l'enrubanné, je pense. Comme ça, on pourra commencer à attaquer les vaches. En fonction aussi de l'argent qu'on aura. Ce qu'il faut acheter, donc les vaches et tout le matériel qu'il faut, comme la pailleuse, la mélangeuse, etc. etc. On regardera aussi peut-être pour acheter un nouveau tracteur. Je pense que je vais... En fait, je pensais garder le Celtis, mais tout compte fait, je pense qu'il va partir. Parce que, comme avec le plateau, dans le dernier épisode, c'était compliqué. Donc, je pense que je vais acheter un nouveau tracteur. On va rester dans du 150 chevaux. Pas besoin de plus. La pilasse. La pilasse, le poteau. Pas besoin de plus pour le moment, de toute façon. Bon bah lui il est bien là, on va le repousser au fond. Voilà. De toute façon, il va vite partir je pense. Hop, donc le déchargement de balles. Je voulais aussi vous dire qu'en ce moment il y a un peu moins de vidéos qui sortent. Je pensais avoir un peu plus de temps pendant les vacances. J'ai beaucoup de choses à faire en perso. Donc c'est un peu compliqué de tourner entre deux, etc. Donc je préfère ne pas en sortir et puis voilà que en sortir et puis qu'il soit mal faite ou quelque chose comme ça. Donc là j'ai un peu plus de temps vu que c'est le week-end. Donc on tourne cet épisode là tranquillement. J'essaierai peut-être aussi de vous refaire un petit épisode de la ferme française si pas très longtemps, sachant que là en off j'ai fini tous les labours. On pourra commencer la semis d'orge je pense. Puis voilà, on va aussi voir dans le prochain épisode peut-être des 3 cutéreux, de essayer de voir pour semer, voir si que la faucheuse elle arrive tard, enfin si pas la faucheuse, le l'endener tout ça arrive tard. Pourquoi pas aller commencer à passer un coup de des chômeurs. Par contre, voilà, il faut que ça soit un minimum rangé quand même. Donc, pour revenir tout à l'heure, j'ai changé de tracteur.
Je pense que on va acheter un Dodge Phare. Alors ça doit être un Agrotron 100, 150. Je vais vous le montrer au pire. J'ai mis cette botte là. Je pense qu'on va faire le changement en vidéo. Soit ça, soit acheter un autre John Deere. Je sais pas du tout. Forcément, il va pas aller. Moi, je vais la repiquer comme ça. Bon, je suis pas un pro du rangement, ça ira bien comme ça. Alors, il doit être là. Alors, j'ai hésité entre deux tracteurs. Donc, soit celui-là. Donc, on le monte en 150. Et voilà. Ou soit. Sais plus si c'est ça. Non, c'est au début. C'est 6ème ou 6R? Non, 6ème. Un 6ème en 153. Pour rester toujours dans le JT. Donc, je sais pas, je verrai tout à l'heure. Parce que celui-là, j'ai pas trop regardé. On prendra certainement avec un papa avec le relevage. Ok, donc ça c'est 126. L'autre côté, ça doit être 65, je crois, parce que le prix de tracteur est très bas. Donc, je sais pas, on verra bien en fonction des tâches, un petit peu tout ça à faire. Vais déjà finir de décharger ça. Ils sont chacun dans leur prairie déjà. Je vais changer de sens le plateau après. Que ce soit plus simple à prendre. C'est mon jeu dessus. Ce serait bien qu'elle tombe pas. Je pense que ouais, je vais finir de décharger le plateau. Puis on va regarder pour ce tracteur. Avant de le Celtis. Mettre les sangles au cas où parce que la botte du dessus elle tient pas fort. Flexible du débrancher. Galère un peu dans la boue donc. Ça va partir. Il fait de la merde avec le plateau. C'est un tracteur qui va bien, mais bon. Quand il n'y a pas de pêche comme ça sert à rien. C'est pour faire du travail pourri, ça sert à rien. Hop, on va reprendre la boule. Trop vite. Hein.
essayer d'en prendre deux au coup, envoyer un peu plus vite. Hop là. Les deux dernières. Hop, on va les ramener tous à la ferme. Je vais voir pour si je sais faire demi-tour. C'est bizarre parce que quand il n'y a pas de botte dessus, il galère pas du tout. Quand il y a une botte dessus, rien ne va plus. Je sais rien, forcément, il y a l'arbre qui va m'embêter. Je vais aller le ramener, de toute façon, comme ça. Peut-être moyen que je fasse un peu plus cher. Bon, normalement, on fait pas ça. On va aller le remettre à sa place. Dans le gros JD. Dans le bol JD, le Fiat Agri du paysan. Garer ça là. On va y reprendre ce concessionnaire. On va revenir avec le tracteur. Je pense qu'on va prendre le Dutz. En fonction de l'argent qu'on aura. Parce qu'en fait, le Renault ne tire rien du tout. C'est un peu plus compliqué. On va l'amener là-bas, normalement on aura un peu plus d'argent. Du tracteur qu'on aura acheté, bon, la telle rassure, la faucheuse.
Hop là. Non, pas configuré. Vendre. Voilà, 27 496. Du coup, je pense qu'on va prendre le Dots. Ouais, allez. Hop. Mettre prise de force à l'avant. Michelin en plus large. Mettre un seul gyrophare. Ok, donc on 150. Et pas de chargeuse avant. 45 000 euros. Hop. Voilà, du coup, il reste, pardon, 16 000. Je pense que je vais acheter une petite faneuse pas trop chère. C'est quoi ça? Faneuse? Ouais. Je pense que je vais prendre celle-là à 8 000. Et on va regarder pour un endaineur. 9, 6 000, il fait combien? 2,8 mètres. Ouais, allez, hop. Comme ça, oups. Oh, notre propre matériel de fauche. Donc voilà, nouveau tracteur. Il fait un beau bruit. Faire l'inverse. Je préviens Tico que du coup j'ai plus besoin de son matériel là. Je crois qu'il faut que je la déplie un coup. On va prévenir Tico. Tico, c'est bon, j'ai plus besoin de ton endaineur ni de ta faneuse. Ok. Ronfle bien. Voilà, en plus ces deux sphères, c'est pas des tracteurs que je prends souvent. Moi, comme ça, on aura l'occasion d'en conduire. Avec les roues de l'endaineur qui sont un peu la malle. On va partir faire tout ça. Et puis merde.
cet élan. On va décrocher tout ça, on va aller atteler la faucheuse. Tu me peux plus que je l'ai mis. Où est-ce qu'elle est? Je l'avais pas mis là le dernier coup. Les gars, vous avez pas vu ma faucheuse? Non. Non. Tu l'aurais pas revendu sans faire exprès? Peut-être. Pire, rachète-la et rembourse-toi. Ouais, je l'avais acheté combien déjà? 5000? Ouais, mais t'inquiète, tu te rembourses l'intégralité. Tu me l'avais déjà versé l'argent. Ouais. Celle-là, forcément. Je vais m'en enlever du coup. Je suis pas administrateur. Hein? Oui, forcément. Voilà. Donc. Un deal super pour l'appareil photo. Génial. Bon, les amis, comme vous avez pu le voir, j'ai eu un problème avec mon record, mon logiciel de record. Du coup, j'ai pas pu vous filmer la suite. Donc, en gros, après ce qui s'est passé, donc je me suis rembourser tout ça, donc là, enfin l'argent n'est pas bon, c'est normal parce qu'on a déjà tourné l'épisode 4 pour la semaine prochaine. Donc du coup, ce qui s'est passé, c'est que j'ai appuyé sur une mauvaise touche, du coup le record s'est arrêté. Donc vous n'avez pas la suite, donc en gros je vous fais vite fait un petit récap. En gros, j'ai pris la faucheuse, je suis parti faucher. Et je pense que c'est tout. Je suis parti faucher donc les deux pièces. Et après je suis revenu. Et puis vous découvrirez à la suite dans l'épisode 4 de la semaine prochaine. Sur ce, je vous souhaite une très bonne continuation. On se retrouve à bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, à plus.